18 janvier 1917. Émile, sentant ses forces décliner, demanda à Anna de rejoindre Saint-Miel pour obtenir des nouvelles de sa fille.
Alors que ses dernières forces l'abandonnaient, le destin prit plaisir à ne pas faire ce qu'on attendait de lui. Ils n'étaient plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Miel lorsque leurs espoirs furent à nouveau contrariés. De trop haut. Mais les bons, le bon. Hey, what? Guter Hund. Ah.
l'école, Pékin. Vive la patrouille!
Yeah.
fut de courte durée. Interceptés par les troupes allemandes qui tenaient toujours Saint-Mihiel, Karl et Anna furent conduits au quartier des officiers pour y être interrogés. Karl réintégra les forces allemandes, tandis qu'Anna fut envoyée au chevet des soldats. Le 8 avril, les forces françaises lancèrent un assaut sur Saint-Mihiel, une opportunité que Karl décida de saisir. Pas du parle comme Messi, conseil des nécessaires, t'as mis rétréci, j'arrête. Si je réussis, grosse villa, gros jacuzzi, c'est Dieu qui donne, j'ai tout mérité, une manière de lui dire merci.